Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 24 octobre 2021, Ludo, Folcomarchi, rend visite à Noémie, Lucille Crier, à la ferme. Il essaye de lui dire la vérité sur Ariane, Catherine Boguet, mais se ravise et prétend vouloir emmener Noémie voir les oiseaux migrateurs en Cama. Noémie accepte. Plus tard, Ludo retrouve Alice, Maëlle Nieton, au zoo. Incapable de dire la vérité à Noémie, il envisage de la quitter pour la protéger. Alice tente de l'en dissuader et l'encourage à lui dire la vérité sur son passé d'écor avec Ariane, mais Ludo a trop peur de briser la relation de Noémie avec sa mère. Plus tard, le soigneur reçoit un appel d'Ariane. Cette dernière l'invite à prendre un verre, mais Ludo décline son invitation. Ariane prend mal son refus. En déposant Camille, Léonida en la mort, au lycée, Laetitia, Shirley Bousquet, lui propose de partir en vacances au ski avec elle et Serge Laurent Fratal. L'adolescente trouve l'idée très bonne, mais a déjà repéré une colonie de vacances où elle souhaiterait vraiment aller pour passer du temps avec des jeunes de son âge. Elle demande à sa mère de convaincre Manu, Moïse Santamaria, de la laisser partir. Une fois au lycée, Camille invite Kira, Colin Ramos Pinto, à partir en colonie avec elle, mais l'adolescente ne sait pas skier. En entendant leur conversation, Michael propose de les accompagner et invite Camille à sortir le lendemain soir. L'adolescente refuse, ce qui surprend Kira. Camille explique que Michael ne lui plaît simplement pas, mais Kira se demande si Camille ne serait pas intéressée par quelqu'un d'autre. Au même moment, Laetitia appelle Manu et lui parle de la colonie de vacances de Camille, mais le policier trouve que sa fille ne le mérite pas. Valentine dénonce Alix à la police de son côté, Steve Rosa rend à Eve, Emma Colberti, un livre qu'elle lui avait prêté. Il en fait une très belle analyse, ce qui impressionne la professeure, qui décide de lui en prêter un autre. Plus tard, Sabine, Gaëla le 2BA, annonce à Eve qu'elle voudrait présenter Steve au concours général de mathématiques. Les deux professeurs sont impressionnés par les capacités de l'adolescent, d'autant que sa situation familiale est compliquée. Dans les couloirs, Camille et Kira croisent Steve, plongés dans le livre que lui a prêté Eve. En voyant comment Camille regarde l'adolescent, Kira comprend que son ami en pince pour lui. À la sortie du lycée, Camille tombe sur son père. Manu lui annonce qu'il n'est pas d'accord pour la laisser partir en colonie, ce qui agace profondément l'adolescent. Valentine, Catherine Bilkening, a avoué à son mari qu'elle l'a trompé avec un escorte. Très en colère, ce dernier veut porter plainte pour chantage. Alix, qui risque la prison, essaye de l'en dissuader, mais Valentine ne veut pas détruire son couple pour la sauver. Attablé à quelques mètres d'elle, Joël, Guillaume Vaillélaire, le maître chanteur, écoute toute leur conversation. Plus tard, Alix annonce à Ludo que Valentine va porter plainte. Le jeune homme lui promet de l'aider à identifier le maître chanteur. Au même moment, Valentine et Rudy se présentent au commissariat pour porter plainte. Élise, Malia Roman, leur pose des questions sur le réseau des corps, et Valentine n'a d'autre choix que de dénoncer Alix, Lodine Widget.